Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul.
dans la peau à Timothée, au chapitre 2, les versets 8 à 15. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, le descendant de la vie. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Voilà ce que tu dois rappeler en déclarant solennellement devant Dieu qu'il faut bannir les querelles de mots. Elles ne servent à rien, sinon à perturber ceux qui les écoutent. Toi-même, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme quelqu'un qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir de ce qu'il a fait et qui trace tout droit le chemin de la parole de vérité. Seigneur, enseigne-moi tes voies ensemble. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Il est droit. Il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les hommes. Il enseigne aux hommes son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À cela, il fait connaître son alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Alléluia, alléluia, le Seigneur nous appelle. Alléluia, alléluia, il est là, il nous attend. Notre Sauveur, le Christ en Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, alléluia, le Seigneur nous appelle. Alléluia, alléluia, il est là. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de tout ton esprit, et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui.
l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande, l'holocauste et le sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osait plus l'interroger. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers et sœurs de Christ, nous sommes le jeudi de la 9e semaine du temps ordinaire. Ce matin, nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu. Voilà une activité fondamentale, une activité cruciale pour toute la vie du chrétien. Écouter la parole de Dieu. C'est ce mot qui commence la réponse que Jésus a donnée aux pharisiens. Ce scribe qui demandait quel est le plus grand de tous les commandements. Après, on connaît ce qui est fondamental, ce qui est important pour nous faire. Après, on connaît chemin bonheur, chemin délivrance, c'est une activité qui revient à tout le monde. D'ailleurs, Aristote dit, le bonheur, c'est ce vers quoi tant tout le temps. Vivre à l'aise, c'est ça tout le monde y a cherché. Mais, à la différence des animaux, les gens, pour les capables de connaître tout le monde, qui ça peut faire pour vivre heureux, pour vivre à l'aise, il faut écouter la parole de Dieu. Véritable chemin bonheur, monde, c'est écouter la parole de Dieu et mettre la parole ça en application. Par instinct, fourmis, c'est nourri, miel, les parcourir de fleur en fleur, à chercher sucre pour faire si haut. C'est une connaissance qui est tout à fait naturelle pour lui. Par instinct, fourmis, les connaît qui ça pour le faire quand il est côté l'été. Ces oiseaux, il y en a de même, ils ont parcouru de branche en branche. Juste pour capable de façonner un nid là-dedans pour habiter. Mais mon âme, c'est différent. Ce qui prouve la différence, c'est que nous sommes capables de nous rendre compte, il y a un monde qui a vécu sans mon Dieu, ou bien il y a un monde qui a vécu loin de mon Dieu, la vie est différente. Monde qui croit en mon Dieu, monde qui prend le temps pour écouter la parole de mon Dieu et mettre en application, nous devons sentir une nouveauté dans la vie. Et c'est raison pour nous comprendre bien comment mon Dieu chrétien n'est pas qu'à comporter le petit genre. Mon Dieu chrétien, il veut connaître la vie, c'est une lumière. Sous nous, il y a un projecteur qui est braqué. Il a cherché dans les qui pour Dieu l'immobilier. C'est à travers action, à parole qui a sorti de mon Dieu chrétien, la prouver tout bon vrai qu'il essayait, la prouver tout bon vrai qui appartient aussi. Écoute, Israël. Jésus reprend ces paroles ça qui constituait un petit credo historique que tout juif, tout bon juif dans l'Ancien Testament peut aider à apprendre par cœur que nous venons de l'éviter au nom. Tendez Israël, remettez à ces bons dieux, c'est pour remettre à tout cœur. Question que nous avons posée peut-être nous, si Jésus, pour formuler une réponse qu'il y a, il commençait avec nous ça. Écoute, qui place, écoute la lien dans la vie. En une fois, nous toujours contentons pour nous parler. Même si nous connaissons pas avoir mieux, il ne pas dire rien. Nous choisissons parler. Alors que, si nous suivons, il y a un monde qui a deux oreilles, il y a une seule bouche. Des fois, silence est bien important. Vaut mieux au printemps pour écouter plus, pour les queues, pour plus parler. Deux oreilles, pour écouter. Faut écouter plus que vous parlez. Si vous parlez, quittez action. C'est vous-même qui parlez. Quittez ça en faire. C'est vous-même qui parlez. Écoute, Israël. En Israël, nous célébrons le premier dimanche de la parole que par François nous a institué. Troisième dimanche d'un temps ordinaire. Pour inviter tout le peuple bon Dieu à redécouvrir richesse, qui s'est omis.
insondable parole de Dieu. Parfois, ça invite nous pour nous entendre, pour nous méditer sur parole de Dieu. Entendre, pour nous manger parole de Dieu. Jésus te dit, nous ne parlons pas un seulement, un matériel, mais avec toute parole qui souffle dans la bouche de Dieu. Qui place nous fait avec parole de Dieu? Est-ce que parole de Dieu est importante pour nous? Est-ce que parole de Dieu, c'est lui-même qui t'a appelé le chemin? Ou du moins, est-ce que parole de Dieu ne va pas dire rien pour nous? Au point que chaque fois que nous venons à l'église, parole ça nous proclame, il passe dans l'oreille gauche, il sortit dans l'oreille droite. Écoute, Israël. Le Jésus a parlé de écoute. Il n'est pas simplement arrêté dans une activité purement, essentiellement humaine. Mais il y a d'abord et avant tout une écoute assidue. Il y a une écoute qui manifeste avec un élan du cœur. Écoutez beaucoup plus avec cœur nous, parole de Dieu, pendant que la cherche à quitter parole ça, il produit une incidence positive dans la vie, au point que nous nous déroulons, même si nous écoutons parole de Dieu, nous venons donner un nouveau. Quand chanter, parole bon Dieu va blesser le cœur. Quittez le blessé. Mauvais sentiment que là capable de couler après ça pour venir nouveau. Parole bon Dieu, il transforme nous de l'intérieur. Il veut changer le cœur. L'important pour nous faire place avec parole là dans la vie, parce qu'il y va de notre bien. Jésus continue pour dire, premier commandement est fondamental. Et puis grand, c'est même bon Dieu. Alors si on dit, nous devons écouter avec cœur, parce que le cœur est le centre de l'amour. C'est à travers le cœur. Et Exupéry disait, on le voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible aux yeux. Mais nous prétendons pour nous écouter bon Dieu avec cœur. Amen, nous dit mon Dieu ça, nous aimons. Nous conservons la parole liée à notre cœur. Et parole ça, c'est lui-même qui se moteur la vie, nous. Parole ça, c'est lui-même qui a provoqué tout ça, la foi. Deuxième commandement, qui est grand, c'est l'aimer prochain. Là, Jésus est envoyé nous avec une réalité, et une réalité qui n'a pas révolté nous. Révolté nous dans le sens que, en plus, nous devons négliger l'autre. Donc, à l'église, ou du moins, dans l'église, dans la prière, mais ça traverse le plat par les rien pour nous. Misère, mal cité, le plat est trouvé là-dedans, là, ça va dire rien pour nous. Si vous aimez mon Dieu, vous n'avez pas qu'à négliger le frère là. Saint Jean te dit, Dieu est amour. Il faut demeurer dans l'amour de Dieu. Si vous aimez mon Dieu, et puis vous aimez le frère là, aimez mon Dieu à la route, sinon vous n'avez menti à tête. Dans la prière, c'est vrai. Dans la prière, je fais, mais nous avons regardé, nous avons fixé sur sa capteur, c'est mon nom, sur sa capteur, c'est l'autre chose, sur sa capteur, c'est petit bon Dieu. Pendant que nous songeons la prière, peut-être nous, il faut que nous gagnions une intention pour tout. Si ça arrive dans la situation, il y a besoin d'un couche. Si ça arrive dans la situation, il y a besoin d'une aide, nous devons disposer pour nous donner aide ça pour vous. Vraiment, bon Dieu. L'aimer prochain. Si vous aimez prochain, si vous aimez mon Dieu, si vous aimez mon Dieu, vous ne pouvez pas négliger frère là. Si vous aimez mon Dieu, vous ne pouvez pas aimer frère là. Et si vous aimez frère là, vous ne pouvez pas parler mal. Si vous aimez frère là, en réalité, vous ne pouvez pas souhaiter malheur rivel. Si vous aimez frère là, en réalité, vous ne pouvez pas souhaiter tout ça qui va vous secouer, vous ne pouvez pas négliger. Si vous aimez mon Dieu, vous ne pouvez pas considérer le frère là comme un cheveu qui tombe dans un seau, qui ne va pas dire rien, insignifiant, mais on va valoriser, puisque il y a une place de choix dans le cœur de mon Dieu. Dans la messe, dans le Seigneur, en nom de Jésus. Même Jean, scribe ça, qui reprend parole et dit à sa manière. Il reprend parole ça pour montrer Jésus comment il comprend ça, il dit. Et Jésus te dit, tu n'es pas loin du royaume de toi.
Demandons à Jésus de nous aider à travailler pour l'avènement de son règne. En nom de Jésus, pour permettre que nous capables travailler davantage, au jour le jour, pour régner capable de vivre, régner qui chita sous justice, régner qui chita sous remède, régner qui chita sous cœur posé. En nom de pour capable permettre, nous tourner artisans qui portent justice qu'il y a à travers action et parole. Artisans qui travaillent pour la paix établie, artisans qui permettent que remède mon Dieu a contaminé tout le monde qui a rencontré dans la vie. Et comme ça, déjà, nous avons senti tout le monde réveil, bon Dieu, à l'inamité, nous avons institué la façon d'agir, la parole en dit, moyennant, nous plantons d'abord pour nous écouter la parole, bon Dieu, et chercher la vie de la parole. Ça. C'est pour moi, Marie, aidez-nous dans la démarche, ça. C'est pour nous toujours camper avec nous, dans toutes circonstances, la vie, pour nous capables de concrétiser la parole, bon Dieu, pour nous capables de vivre. De paroles à pour nos papas, à Christ le Père, à Christ le Seigneur. Amen.
Thank you.
Thank you.
Que le soutien.
sont également pour les fidèles de la paroisse qui sont confinés chez eux. Nous te le sollicitons en particulier pour le peuple haïtien qui compris dans la misère noire. Nous te le sollicitons pour nos dirigeants, ceux qui gouvernent ce pays. Nous te le sollicitons pour les chefs d'État du monde. Nous te le sollicitons, Seigneur, pour ceux qui œuvrent dans le domaine de la science, eux qui cherchent un médicament valable pour en guérir cette pandémie. Tu les vois, tu les connais. Guide les recherches de la science afin qu'ils trouvent ce médicament. Inspire-les la formule pour en endiguer ce fléau. Nous savons que ce n'est pas plaisir dans le malheur de la vie des enfants. Nous savons que, par-dessus tout, tu veux notre bonheur. Ce bonheur, Jésus, ce matin, nous le trouvons dans ce temps d'adoration. Ce temps de cœur à cœur. Nous savons que tu nous écoutes. Et nous aussi, nous voulons nous mettre à ton écoute. Nous voulons prendre ce temps de silence. Ce temps où nous nous regardons en face pendant que nous te regardons. Et chercher en nous ce qui ne correspond pas à ton projet et à ton nom. Afin de l'extirper. Que ton règne vienne. Et alors, l'avènement de ton règne sera pour nous et pour nous le but final de toute notre mission. Jésus, où qu'il soit, tu les vois. Ceux qui manifestent ce désir brûlant de te rencontrer. Ceux qui cherchent à te rencontrer, ceux qui cherchent à manifester ton visage là où ils sont, tu les vois, tu les connais. Ce matin, Jésus, répands ta bénédiction sur eux, où qu'ils soient. Fais qu'ils se sentent édifiés par ce que tu vis en eux. Tu vis en eux, tu agis dans leur vie. Jésus, puisque tu nous aimes, nous n'avons pas à nous inquiéter, quelles que soient les circonstances. Puisque tu es là, tu nous apprends à te chercher pour te trouver pour te chercher encore. Telle est notre mission. Telle est la recherche que nous sommes invités à faire. Apprends-moi à contempler ton visage dans nos frères et surtout apprends-moi à redire ce oui d'amour que la Vierge a prononcé. Oui, tu nous as valu la rédemption. Apprends Jésus à vivre dans la négation, dans le mépris de nous-mêmes. Apprends-nous à nous oublier en pensant à ceux qui nous demandent de prier pour nous. Apprends-nous à nous libérer gentiment parce que toi, c'est ce que tu as fait. Qui nous habite,
cet amour qui traduit la proximité de Dieu à nos côtés. Manifeste-le jour et nuit, à chaque instant, dans notre communauté. Remplis notre communauté par un service cet amour. Fais que chaque fidèle de la paroisse devienne le Seigneur mère de cet amour. Un amour qui radie sur leur visage. Un amour qui leur donne le destin à courir. Puisque tu les aimes, puisque tu nous aimes, nous voulons nous abandonner à toi. Aujourd'hui et toujours. Nous en avons besoin parce que c'est
de ta grâce. Nous la sollicitons pour ceux et celles qui se réclament dans nos prières, pour ceux et celles qui font le travail aujourd'hui, pour ceux et celles qui sont en voyage. Nous sollicitons cette grâce. Déverse-la proportionnellement aux besoins de chacun de ces gens. L'administration publique a dit à besoin de ta grâce. Les institutions privées ont besoin de toi, Jésus. Nous en avons besoin parce que c'est cette lumière qui apporte joie à ceux qui souffrent. La lumière de ton amour. La lumière de ta parole qui va éclairer. Jésus, nous croyons en toi. Puisque tu es là, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ton amour, qu'il nous réchauffe constamment. Dans mon message, Jésus, n'a pas pris un tour pour si la vie a pris dans ma cité, dans tes livres. Appelons-nous qui habitent les quartiers défavorisés et autres, qui opposent sa voix, insécurité. Appelons-nous qui habitent les hommes de nos voix de Jésus, en qui il a subi violence, violence verbale, violence physique, il a subi méchanceté de l'une ou l'autre. C'est mon qui l'a mis dans la rue, qui a pris les machines, sans maman, sans papa. Nous connaissons un meilleur. Maintenant, on a pris un peu. Fait des choses. Il y a des gens qui vivent dans la rue, qui ne sont pas dans le côté où ils ont été, ils ne sont pas payés ou ailleurs. Dans le monde entier, il y a des gens qui ont mis en bas. En pile, il y a un peu de soutien.
Dieu sera béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu, miséricorde. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu, miséricorde. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'Auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'Auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse assomption. Béni soit sa glorieuse assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu. Béni sois Dieu dans ses anges et dans ses saints. Tu m'as donné